Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver ici au Cyberscare Bailly, en plein centre de Bruxelles, dans cet endroit hors du commun, pour une conférence qui aurait dû se dérouler il y a un an. Il s'est passé quelques soucis entre temps, vous le savez, mais on est très heureux de tous vous retrouver aujourd'hui, très nombreux, il y a des gens sur Facebook, sur YouTube, il y en a qui regardent ça en famille, entre amis, en côte, pour vivre un moment exceptionnel où on va parler engagement, scoutisme et don de soi. Il y a aujourd'hui des baladins, des louveteaux, des scouts, des anciens scouts, des anciens chefs qui nous regardent, de Belgique, de Sénégal, de Côte d'Ivoire, du monde entier, pour vivre une soirée exceptionnelle. Merci déjà à tous les intervenants qui sont là aujourd'hui. Le programme de la soirée est très simple. On va d'abord, Axis Gauvin va nous parler un peu de l'aune d'aujourd'hui, à quoi il ressemble, comment est-ce qu'on fait du scoutisme au temps du Covid-19. Ensuite, il y aura la conférence passionnante pendant 1h15, plus ou moins. Vous pourrez poser vos questions sur Facebook et YouTube. Et enfin, on parlera brièvement des prochaines activités du 100e Lawn qui auront lieu jusqu'à septembre 2021. Je vais demander à Axis Gauvin de me rejoindre, mais avant ça, on tient à remercier les partenaires qui nous accueillent ici. Donc Silver Square, un espace de coworking, plusieurs espaces de coworking à Bruxelles et au Luxembourg. La Régie TV qui s'occupe de la technique qui est assez impressionnante aujourd'hui. Et merci pour ça à eux. Axis Gauvin, Victor Dandrimont, chef d'unité d'une qualité exceptionnelle. Bienvenue Axis. Merci Arnold. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci de nous suivre pour cette conférence qui s'annonce super intéressante. Voilà, on l'attendait depuis un an, maintenant on y est enfin. Pas tous ensemble, mais virtuellement, mais ça va être tout aussi bien. Et au moins plein de gens pourront la revoir et chez vous à la maison, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi je vais vous parler un peu de comment se passe le scoutisme aujourd'hui dans notre unité, donc dans cette année 2020-2021, mais ça regroupe aussi un peu pour le scoutisme partout en Belgique, parce qu'on a les mêmes règles pour tout le monde, donc chacun peut se retrouver un peu là-dedans. Du coup, donc, on a commencé l'année sur une bonne note, parce qu'après quelques mois de réunions virtuelles, mais on a pu enfin pouvoir passer à des réunions à 50. Malheureusement, notre réunion de passage, donc, qui est le seul moment toute l'année où on se retrouve à 1400, près de 1400, donc tous les louveteaux, les baladins, les scouts, les chefs et les parents qui viennent aussi assister à la fin, elle n'a pas pu avoir lieu cette année-ci. Donc on a remplacé ça par le passage virtuel que vous avez peut-être vu qui s'est passé à Kuckelberg. Mais donc chaque section à ce moment-là a pu faire leur réunion de passage qui était tout aussi bien de leur côté, donc en bulle de 50, chacun dispatché autour de Bruxelles. Ensuite, les premières réunions et les premiers week-ends ont pu avoir lieu, donc ça c'était une bonne nouvelle. Donc l'année commençait de façon assez normale, sauf que évidemment il fallait respecter tout un tas de mesures, donc c'était quand même une bonne gymnastique pour les différents staffs à respecter. Et puis malheureusement, donc là on a eu la deuxième vague, qui est arrivée en Belgique. Là on a dû un peu revoir notre façon de penser, parce que pour les plus de 13 ans, les réunions étaient maintenant interdites. Donc les chefs ont dû organiser à chaque fois des réunions virtuelles, donc ce qui est un peu moins drôle, mais qui est quand même chouette toujours si c'est bien organisé. Mais par contre pour les moins de 13 ans, les réunions pouvaient toujours avoir lieu. Donc ça c'était la bonne nouvelle pour la première partie de l'année 2020-2021. Ensuite, après donc les fêtes où on a cette trêve toujours annuelle, où nos chefs sont en examen, etc., on a pu faire une reprise, donc toute l'unité, donc, et les plus de 13 ans, donc les scouts, et aussi les plus jeunes. La moins bonne nouvelle, c'était du coup qu'on était en bulle de 10, mais ce n'était pas un frein quand même pour le scoutisme, puisqu'on a pu faire des réunions en bulle de 10. On s'organise comme on peut et on est créatif, donc tous les chefs s'arrange pour pouvoir faire des jeux où ces bulles de 10 ne rentrent pas en contact. Donc ça, ça s'est très bien passé. C'était une vraie bouffée d'oxygène pour, je pense, tous les jeunes et pour les moins jeunes, pour les chefs, etc. aussi. Et puis maintenant, on a eu il y a 2-3 semaines la bonne nouvelle qu'on pouvait repasser à 25, mais finalement, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est pas un problème pour nous, parce qu'on reste optimiste là-dedans, et même avec des réunions à 10 personnes, on continue de faire des chouettes activités, je pense, et j'aimerais remercier tous les chefs pour ça, qui font un très chouette boulot là-dedans. Et puis malheureusement, la dernière petite nouvelle, c'est que les camps de Pâques sont annulés. Mais voilà, c'est comme ça. Et pour le restant de l'année, on reste
très optimiste sur les réunions qui vont continuer à se dérouler et sur la bonne tenue des camps. Donc la campagne camp 2021 a déjà démarré. Donc ici, il y a du lobby qui est fait auprès des différents gouvernements pour que ça ait lieu d'une façon le plus normale possible. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite une agréable conférence. Et Arnold va venir redire un petit mot. Merci Axis, je crois qu'on entend applaudir partout en Belgique jusqu'ici. On peut applaudir en tout cas les Launes pour leur résilience et tous les mouvements de jeunesse qui nous regardent. Parce que même au-delà du Covid, je crois que le scoutisme continue et on est là aussi pour vous le montrer, pour passer ce moment en communion, à distance et en toute sécurité, puisque vous voyez bien que les règles sanitaires sont bien respectées et une distance d'1,50 m à 2 m est présente entre chaque orateur. Avant de passer à la suite, le centième, on en parlera après, mais comme Axis l'a dit, on espère que les camps d'unité pourront se faire en juillet pour les baladins, les louveteaux et les scouts. Tout est prêt. On verra ce qu'on peut faire. Malheureusement, le camp des anciens à Maretsu a dû être annulé, car il est le premier week-end de mai, vous imaginez pourquoi. Ensuite, il y a le film du centième qui est toujours en cours de préparation. On a planté un arbre du centième dans la cour de Maretsu, un grand tulipier, symbole de jeunesse et de liberté. Et également, vous avez surtout le bouquet final, le samedi 25 septembre 2021, où tous les Launes se réuniront physiquement ou virtuellement, on verra. Mais le principal, c'est que vous bookiez bien la date dans l'agenda. La conférence de ce soir se dit inédite et exceptionnelle. Elle touche les Launes, mais bien au-delà, tous les mouvements de jeunesse dans le monde. Je remercie tous les orateurs qui sont présents. Dorian de Meus, rédacteur en chef de Libre Belgique, va modérer cette conférence. Vous verrez qu'en fait, on est scout toute sa vie. Les personnes ici de la table ne sont plus des jeunes baladins, je crois que ça se voit. Mais vous verrez qu'ils vivent encore le scoutisme. Ils ont, à travers leur engagement, leur vocation, trouvé des sources dans le scoutisme. Je n'en dis pas plus. Avant ça, pour introduire cette conférence, on a une vidéo assez porteuse et prometteuse qui a été réalisée par la Fédération des Scouts, dont notre unité fait partie, qui a été traduite, je crois, dans 23 langues, cette vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle Just Scoot It et qui rappelle l'essence du scoutisme, pourquoi on est là et pourquoi est-ce qu'on adore ce qu'on fait. Je vous remercie et une bonne soirée. Ce sera un garçon ou une fille. Il sera blanc, noir ou jaune, ou un peu tout à la fois. Il parlera anglais ou un dialecte que seule une minorité comprend. Son pays sera peut-être en guerre, en crise, ou peut-être pas. Il aura la chance d'aller à l'école ou celle d'aller à l'école de la vie. En tout cas, il sera d'abord petit. Un petit parmi les grands. Un petit d'homme qui ne comprendra pas grand-chose au monde. Il y a plus de 100 ans, un homme s'est penché sur ce petit être que les grands, trop grands, ne voyaient pas. Son nom ? Baden-Powell. Le petit d'homme devant lui, cet être qui ne comprend pas encore grand-chose à la vie, dirigerait un jour le monde. Alors Baden-Powell décida de le préparer à cela et de lui faire découvrir les valeurs nécessaires pour créer un monde meilleur. Il lui donna un foulard pour lui rappeler de faire une bonne action chaque jour et d'œuvrer toujours pour la paix. Il lui demanda de lever 3 doigts et de promettre de respecter 3 principes. Celui d'avoir toujours un projet dans la vie, celui de rester fidèle et d'être toujours là pour ses frères, et celui de croire en quelque chose de plus grand, peu importe son nom. Car croire, c'est avant tout croire que demain peut être meilleur. Il lui donna alors un insigne avec une fleur de lys à 3 pétales et entouré d'un cordon, pour qu'il n'oublie jamais ses 3 vœux et pour qu'il se rappelle de ne jamais lâcher ses frères. N'étant pas éternel, il lui confia une mission, d'apprendre cela au plus petit que lui, une fois qu'il serait plus grand. Le scoutisme était né. Aujourd'hui, le scoutisme compte 40 millions de membres et reste avant tout un projet sur l'être humain. Nous voulons lui enseigner l'autonomie et la liberté de penser. Nous voulons lui apprendre à avoir confiance en soi, à être sociable, quoi qu'il arrive, à être un partenaire solidaire, à être conscient et critique, à avoir des valeurs intérieures qui ouvrent à plus large que lui. Non, le scoutisme n'est pas qu'un loisir de plein air. C'est bien plus que cela. C'est un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. C'est un mouvement non politique et indépendant qui s'adapte à la société d'aujourd'hui grâce à une méthode universelle comprenant la relation,
l'action, la vie en petits groupes, la nature, la découverte, la symbolique et la loi et la promesse communes à tous les scouts du monde. Cette mission, ses valeurs et cette méthode font du scoutisme une expérience à part. Un mouvement qui prépare le jeune à sa vie d'adulte, à se débrouiller dans son premier emploi, à travailler en équipe, à fonder un foyer équilibré. Depuis plus d'un siècle, de nombreux petits d'hommes sont devenus grands. Chez nous, à l'autre bout du monde, et même au-delà. Et bienvenue dans ce débat, cette conférence sur le scoutisme, le don de soi et l'engagement personnel. Alors, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions sur le compte YouTube ou la page Facebook d'Elone. Nos invités y répondront en fin de débat. En tout cas, on essaiera de prendre un maximum de questions. Alors, ce débat est très vaste. Alors, nous l'avons divisé en quatre angles spécifiques. Tout d'abord, la genèse. Comment naît une vocation? Comment naît un engagement et comment on a finalement envie de faire don de soi? Comment est-ce qu'on passe à l'acte? Ça, c'est le deuxième aspect. Comment est-ce qu'un jour, on décide de passer d'une envie à une action bien précise? Enfin, nous allons nous demander comment on résiste avec le temps, comment est-ce qu'on garde la motivation, comment est-ce qu'on peut être relancé, rallumer la flamme, comme on dit, et finalement, est-ce réellement un sacrifice? C'est souvent le mot utilisé, un sacrifice, quand on parle du don de soi ou de l'engagement personnel. Alors, pour en parler ce soir avec nous, Marie-Laure Genet, bonsoir. Alors, tu es fondatrice et directrice de Diversicom. Parallèlement à tes études et ta carrière au sein des institutions européennes, tu as été très active dans le domaine du handicap depuis l'âge de 17 ans. En 2014, tu fondes Diversicom afin de faciliter le recrutement des personnes handicapées par des entreprises qui avaient donc des besoins bien spécifiques. On verra avec toi comment faire rimer justement don de soi avec entrepreneuriat et impact social. À côté de toi, on a Géry de Brockville, cofondateur de l'association Asmae. Géry, bonsoir. Bonsoir. Alors, Géry, tu es un ancien Akela de la Meute Saint-Vincent et ainsi que de l'Unité. À la même époque, tu participes en suivant tes études à la fondation d'Asmae, une ASBL qui est active dans le domaine de la solidarité internationale auprès de la jeunesse. Tu auras l'occasion de nous expliquer un peu ce que cela signifie exactement. Tu y as consacré 40 ans, ce qui est tout simplement énorme. Et depuis 2019, tu es cofondateur de l'association Pas à Pas vers une terre vivante, où on parlera notamment avec toi de l'engagement associatif des jeunes. On parlera de ça ensemble. Et enfin, l'abbé Emmanuel de Reuver, bonsoir. Bonsoir. Tu es l'aumônier de l'unité Laune depuis 2018. Tu es curé à l'unité pastorale Sainte-Croix ici à Ixelles et tu t'occupes notamment aussi du pôle jeune de Flagey. Tu es aussi professeur au séminaire interdiocésain et tu t'occupes de la formation des futurs professeurs en religion. Bonsoir à tous. Alors, Marie-Laure, pour tout d'abord, est-ce que toi, tu penses que ton engagement, ce que tu as fait avec Diversicom, donc pour les personnes handicapées, est-ce que toi, tu penses sincèrement que ça vient de ton engagement scout? J'en suis convaincue. Tout d'abord parce que le scoutisme fait partie de mes racines qui m'ont fait grandir de 7 à 22 ans. Donc, j'ai commencé par être lutin, et puis guide horizon, et puis intendante et chef guide. Et je répondais au nom de Saïmiri Pleinvent. Mais aussi et surtout parce que mon histoire avec le handicap, elle commence avec le foulard autour du cou. On est en 1992 et j'ai 17 ans. Et avec la nouvelle troupe de guides horizon que nous constituons à l'unité à Saint-André, à la 114e, nous décidons de partir accompagner des enfants lourdement autistes en Tunisie pour une thalassothérapie. Et sur place, on me confie un enfant qui s'appelle Sla, et qui est lourdement autiste. Il a été séquestré par sa famille, enfermé dans les premières années de sa vie. Et au moment où le home qui nous accueille, qui accueille le groupe, l'héberge, il est dans un état innommable. Il m'est confié pendant ces 15 jours. Alors,
à cette rencontre, c'est un flot d'émotions. D'abord, c'est la pitié face à tant d'humanité, c'est la peur de mal faire, c'est l'impatience de ne pas arriver à créer du lien avec cet enfant dont l'autisme semble avoir fermé toute voie d'interaction possible, en fait, qui est muré dans le silence. Et heureusement, après vient une sorte d'émerveillement quand on est dans l'eau ensemble. Je vois son visage s'ouvrir, son corps se délier et il saute, il commence à me considérer. Il saute et puis il vient se reposer, se réfugier dans mes bras et là commence une aventure à deux possible. Et en fait, je pense que cette aventure-là, elle a été très fondatrice parce que j'ai su à ce moment-là que le handicap ferait partie de ma vie. Cela n'a probablement jamais su quel élan de vie il m'avait transmis à ce moment-là, en fait, tout simplement en m'offrant d'explorer son infinie fragilité. Et donc de retour, je me suis organisée pendant les 25 années qui ont suivi pour donner un maximum de temps bénévolement à l'accompagnement d'enfants et de jeunes handicapés. Et ce qui a du coup installé une expertise sur cette réalité-là du handicap et sur ses multiples facettes. Et en marge de ça, peut-être deux faits aussi majeurs dans ma vie. Le premier, c'est aussi adolescente, avec ma famille, on assiste à un lent et précoce déclin de la santé de mon père, qui, suite à des infections virales, doit subir différentes amputations et puis des interventions cardiaques. Et il se bat un tiers de sa trop courte vie contre tout ça. Et il meurt trop tôt. Alors, papa n'étant rien une exception, parce que 80% des handicaps arrivent pendant la vie. Mais en tout cas, nous l'avons vécu de près. Et nous n'avons jamais assisté à un déclin de sa motivation à tenir ses engagements à lui. Et puis, un deuxième fait, c'est ma troisième grossesse. Les médecins nous annoncent dès les premiers jours qu'il y a un haut risque de handicap chez notre enfant. Et donc, nous voilà, avec mon mari, confrontés à un choix à faire. Et là aussi, puisque une famille sur quatre est touchée par le handicap, pourquoi pas la nôtre ? Qui peut se prétendre à l'abri ? Et donc, nous avons fait le choix de la vie, nous avons fait le choix de croire à cette grossesse. Et aujourd'hui, notre troisième fille, Doris, se porte à merveille. Donc, voilà. En effet, le scoutisme est clairement, pour moi, l'événement déclencheur de cette histoire. Et puis qui a été suivi par d'autres événements, certains choisis, d'autres pas. Et aujourd'hui, je pense que Diversicom a pris racine dans ce parcours. Et donc Diversicom, comme tu l'as expliqué, c'est une aventure un peu folle d'entrepreneuriat social, dont l'objectif est de faciliter l'emploi pour les personnes en situation de handicap, en prenant pour point de départ leurs compétences, puisque c'est celle-là qu'elle veut faire valoir. Merci Marie-Laure pour ce témoignage. Emmanuel, toi évidemment c'est fort différent comme engagement, c'est un engagement religieux, spirituel. Alors quel est l'aspect d'abord du scoutisme qui a participé à cette décision d'une part? Et puis il y a aussi un événement, les JMJ quand tu as 21 ans, auxquels tu participes et qui ont un peu changé ton état d'esprit, façon de parler. Oui, tout à fait, un peu comme Marie-Laure, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit dans le scoutisme, j'étais baladin, louveteau, scout, puis j'étais routier, puis chef de troupe. Et puis chef routier, et puis on discute un jour, scout toujours, je le suis toujours, aujourd'hui comme aumônier. Et donc c'est vrai que pour moi, ça a été très important au niveau de le scoutisme, au niveau de mon chemin aujourd'hui. Enfin, je crois que si je suis prêtre aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette expérience scout, et notamment vers l'âge de 12-17 ans, à l'adolescence. Voilà, au niveau de ma foi, simplement, moi j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, j'ai beaucoup reçu de par mes parents, de par... mais dans le scoutisme, ça m'a vraiment permis de passer d'une foi, c'est-à-dire d'enfant, à une foi de jeune adulte avec les chefs avec qui on pouvait bien s'amuser, rigoler, et en même temps pour qui, dans la troupe où j'étais, où cette dimension de foi était importante. Et du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, la foi, ce n'est pas juste un truc pour les vieux ou pour mes parents, mais des jeunes qui ont les pieds sur terre et la tête bien sur les épaules sont aussi touchés et nous font vivre, nous font découvrir quelque chose d'important au niveau de la foi. Donc je crois que ça a été vraiment le scoutisme un lieu de croissance, à tout niveau, mais en tout cas au niveau de la foi. Et comme chef, après, donc à l'université, donc moi, quand j'ai 18 ans, je suis fort en maths, je pense faire des études d'ingénieur, me marier, avoir une belle bagnole, enfin voilà, je dirais un rêve de réussite, je dirais classique, assez classique, on peut dire, effectivement.
Et donc j'entame mes études d'ingénieur civil à Louvain-la-Neuve. Et c'est vraiment au cours de mes études, j'étais chef scout et je crois que le Seigneur a travaillé aussi mon cœur petit à petit, me faisant comprendre qu'il y avait une grande joie à fonder une famille, à avoir un métier, mais aussi une grande joie à pouvoir donner de moi-même et partager aussi ce que j'avais reçu au niveau de la foi. Et surtout mes années comme chef de troupe, je crois que ça a été vraiment des années où j'ai énormément donné. Et en même temps, je crois que c'est des années qui ont été constitutives pour ce que je suis aujourd'hui dans ma vocation. Donc, merci. Et alors avec les JMJ, donc c'était les Journées Mondiales de la Jeunesse. Donc ça, c'était à Rome en l'an 2000. Je suis parti avec une bande d'amis. Et là, c'était vraiment le moment un peu révélateur. J'ai vraiment ressenti le Seigneur qui m'appelait. Emmanuel, je t'appelle à être prêtre. Alors du coup, il me restait 2 ans d'études à faire à l'université. Donc, voilà, pris un peu entre deux feux. Et voilà, en revenant de cette expérience, avec des millions de jeunes, on est tout feu, tout flamme. Si on a vécu quelque chose de fort, on donnerait sa vie pour le Seigneur. Et en parlant avec un prêtre que je connaissais bien, avec mes parents, avec des amis, mon conseiller termine d'abord tes études, prends le temps aussi de discerner, donc de pouvoir avancer petit à petit par rapport à ce que j'avais ressenti, cet appel que j'avais ressenti. Et ces deux dernières années d'études à l'université m'ont vraiment permis de prendre le temps d'enraciner, de se dire, est-ce que je peux bâtir ma vie sur ce choix-là? Et les choses se sont précisées. Merci. Géry, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que finalement, Emmanuel nous dit, moi je me suis engagé pour la vie, c'est vraiment un engagement qu'il prend. Toi par contre, tu ne l'as peut-être pas dit au début, mais tu l'as fait pendant 40 ans pour une même ASBL. Est-ce qu'au départ, d'où vient un peu cette naissance? Et au départ, est-ce que tu savais que ça allait durer 40 ans? Non, pas du tout. Franchement, je n'imaginais absolument pas du tout que ça allait durer 40 ans. D'autant plus que je n'ai pas fait, contrairement à vous deux, c'est que je n'ai pas fait ni de louvetisme, ni de scoutisme, en tout cas dans l'enfance et l'adolescence. À l'âge de 10 ans, j'ai été frappé par quelque chose qui s'est passé dans notre famille et qui est une chose tout à fait heureuse, puisque c'est un de mes oncles qui était un bricoleur né et qui a construit sa propre voiture, a construit 2 avions qui ont magnifiquement volé pendant des années. Donc ce type, il a de l'or au bout des doigts, il peut se lancer dans une entreprise, c'est extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il devient prêtre, missionnaire, père blanc, et il part au Rwanda. Alors ça, pour moi, ça a été un espèce de je me dis, mais comment est-ce que ce type a pu faire cette action-là? Et puis alors, ma vie continue, elle passe par différentes étapes. Et puis arrive le moment où je deviens assistant à la meute Saint-Vincent, donc chez les Launes. Et ensuite, après ça, à quelle d'unité. Et il y a quelque chose d'important, c'est une étape importante pour moi dans ma vie, c'est le fait que, et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi dans la question de la promesse. C'est faire de son mieux et c'est quelque chose de fondamental dans ma vie, encore à l'heure actuelle, qui est de dire, je dois, dans tout ce que je fais, je dois faire de mon mieux. Et concomitant à cette présence, je dirais, comme assistant, comme Akela, etc., dans l'unité, il y a la création d'Asmae, qui est fait aussi par des scouts, et des scouts, des guides venant de l'unité de la 13e, mais aussi d'autres unités. Donc c'est peut-être essentiellement d'abord dans le milieu scout, on va dire, la création d'Asmae qui à ce moment-là était une réponse, un espèce de coup de cœur. Et c'était une des premières fois probablement qu'un groupe de jeunes partait dans un bidonville, vivre dans le bidonville avec les habitants. Pas tout à fait, on avait quand même l'unique maison en béton qui était, et en briques qui était dans ce bidonville. Mais on vivait parmi la crasse, etc., parmi tous les gens du bidonville. Et ça a été une expérience tout à fait fondatrice, je dirais, pour moi. Et peut-être inconsciemment quelque chose de l'ordre de la réalisation de ce qui m'avait marqué à l'âge de 10 ans avec cet oncle qui était parti au Rwanda. Moi, je pars en Égypte et en fin de compte, il y a quelque chose là, certainement un lien entre les deux. Et donc, Asmae
c'est un groupe de jeunes qui démarre une association. Je me souviens, la première activité qu'on organise, c'est une marche parrainée pour récolter des fonds. On a récolté, bon à l'époque c'était déjà 300 000 francs belges, mais c'était une somme considérable, avec 1000 jeunes qui étaient dans le bois de la Cambre. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les plus généreux, c'était plutôt les enfants qui venaient du côté des Marolles. Et je me souviens aussi que les Launes avaient participé, bien sûr, dans cette marche parrainée. Et donc, je me suis rendu compte à quel point il y avait une force colossale qui était là derrière. Nous étions tous jeunes, on avait envie de changer le monde. Mais on commençait à le changer par notre action, et puis par le fait qu'on soit parti dans ce bidonville. Et puis, il y a eu d'autres chantiers, il y a eu d'autres des personnes qui sont parties. Et de fil en aiguille, au bout de 40 ans, je ne sais pas, combien de jeunes sont partis dans Asmaé, mais c'est plusieurs centaines, peut-être milliers, je n'ai jamais calculé, qui ont participé, je dirais, à la construction d'Asmaé. Il n'y a pas que moi là-dedans. Très souvent, on m'a dit « Monsieur Asmaé, c'est Jerry ». Ok, mais je ne suis pas Monsieur Asmaé. Asmaé, c'est l'ensemble des jeunes qui participent à cette association. Ceux qui vont chez les scouts et les louveteaux, c'est à un âge encore souvent où ils essaient de trouver un chemin. Alors, quel est le conseil qu'on peut leur donner pour justement les aider à savoir s'ils doivent douter, s'ils doivent se lancer, Marie-Laure? Alors déjà, je pense que notre société, et peut-être celle dans laquelle on est né, nous offre ce grand luxe de pouvoir faire des choix. Donc peut-être se rappeler ça, que l'embarras du choix est un luxe. Alors, qui suis-je pour donner des conseils? Mais j'aurais envie de dire... Et toi, tu as douté, par exemple? Alors, avant de fonder Diversicum, le doute est un mot faible. J'ai eu des vertiges. Je suis passée par l'insomnie. À l'époque, je travaillais à la Commission européenne depuis un peu plus de 13 ans, dans un environnement que j'adorais, pour la cause Europe à laquelle je crois profondément. Sur la tête, une casquette, un métier que j'adorais, de la communication, et avec un salaire plus que confortable. Et puis tout à coup apparaît cette idée, littéralement en songe, en me réveillant. En fait, j'étais dans un demi-sommeil en sortant d'une anesthésie générale. Et l'idée Diversicum apparaît à ce moment-là. Alors, ça paraît peut-être un peu fou, mais en fait, cette idée n'a plus délogé. Et donc, pendant quelques mois, j'ai pris le temps d'investiguer, de vérifier si cette idée était folle ou en fait pertinente, juste et bonne. J'ai consulté les acteurs du terrain. Je me suis consultée beaucoup moi-même. J'ai revu mon rapport à l'argent. J'ai revu les représentations sociales liées à un métier pour, à un moment donné, en effet, prendre le choix, décider de fonder Diversicum. Ces choix-là ne sont pas faciles, mais toute la vie, on est amené à faire des choix, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Et ce qui nous anime à 15 ans ne sera pas forcément ce qui nous anime à 25, ni à 40, ni à 60. Le tout, c'est, je crois, à un moment donné, c'est de choisir comme guide son cœur, son intuition. C'est de vérifier son « why », hein. On dit beaucoup, on parle c'est une question de sens. Est-ce que ce vers quoi je vais est en adéquation avec mes valeurs, avec ce que j'aime faire, avec ce que j'ai envie de faire? Et je pense qu'il importe aussi, certainement chez les plus jeunes, d'oser se distinguer de son voisin, du copain qui va faire un choix, des parents qui ont peut-être des projections. C'est d'oser s'écouter très fort. Et puis, je pense que pour trouver sa voie, il faut la chercher. Elle ne va pas venir d'elle-même par les réseaux sociaux, par YouTube. Il faut investiguer, interroger, vraiment. Partez en quête, faites des choix, prenez des risques, ratez, mais avancez. Et chaque expérience sera utile pour créer son parcours. Emmanuel, moi j'imagine qu'en plus de tes propres doutes, il y a peut-être aussi les doutes de l'entourage qui se dit « mais il n'est pas fait pour ça ». Et comment est-ce qu'on fait face à ces doubles doutes? Non, tout à fait. Effectivement, surtout peut-être la voie la plus commune, c'est plutôt de fonder une famille. Donc c'est vrai que ça étonne, en tout cas aujourd'hui. C'est peut-être pas un choix, le choix le plus facile. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de choix facile. Enfin, je crois que c'est, comme dit Marie-Laure, je crois que c'est le choix qui nous correspond à ce désir profond qui nous habite.
Et donc, c'est vrai qu'il y a d'abord ces, voilà, nos propres réticences, ou est-ce que je suis capable, est-ce que, voilà, être prêt, est-ce que je suis digne de cela, et puis à l'entourage, mais voilà, moi je réussissais bien mes études, j'avais une copine, enfin je veux dire, l'air de dire, mais t'es fou, t'as tout pour être heureux, qu'est-ce que tu vas aller, et là c'est intéressant, comme tu disais, par rapport au choix, je dis, mais moi je... C'est pas en dépit, parce qu'il n'y a rien qui va, que je choisis d'être, enfin que je deviens prêtre, hein, mais c'est vraiment un choix. Je renonce à une carrière d'ingénieur, à fonder une famille, mais voilà, c'est un choix positif aussi qu'on fait. C'est pas parce que j'ai peur des filles que je deviens prêtre, et je me marie pas vite fait parce que j'ai peur que le Seigneur m'appelle à être prêtre ou religieux ou religieuse, hein, donc ça, je crois que c'est important. Et c'est vrai que l'entourage étonnait. Après, l'entourage, je remarquais aussi, notamment les parents aussi, ils éprouvent aussi ce choix. Donc, c'est intéressant. Parfois, on peut mal le comprendre. On peut se dire, ils n'ont pas l'air heureux de ce choix. Et en même temps, je l'ai vu après coup comme quelque chose aussi où ils éprouvaient mon choix. Donc, ils me permettent de pouvoir grandir aussi, de pouvoir l'éprouver intérieurement. Et du coup, de m'aider aussi à peut-être faire ce choix de manière libre intérieurement et non pas parce que... par telle ou telle chose où je le sens bien, comme on dit hein, aujourd'hui, mais que ce soit vraiment un acte de la volonté. Et je crois que c'est important pour les jeunes, en tout cas dans le scoutisme. L'avantage du scoutisme, c'est qu'on expérimente beaucoup, hein, c'est le sens du concret. Et je crois que l'engagement, le don de soi, il s'expérimente, en fait. Et les jeunes aujourd'hui, je crois que quand on est jeune, on ne se projette peut-être pas dans le futur très loin, mais déjà si on se donne et si on s'engage, là où on est, dans sa famille, dans son école, dans sa patrouille, dans sa troupe, dans sa meute, c'est comme ça aussi que naît petit à petit, ou qu'on prend une direction vers ce qui nous habite vraiment au fond du cœur, ce désir profond, et qui nous permet de faire alors un jour un grand choix, c'est-à-dire un coup d'audace un peu plus. Ouais. Jerry, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un altruisme réel, sincère, non égoïste, et un altruisme peut-être temporaire ou intéressé? Surtout temporaire, en fait. Pour moi, de toute façon, l'altruisme, d'abord, il n'est que réel, puisqu'il est par rapport à un autre. Donc déjà, on crée une relation avec quelqu'un d'autre ou avec les autres. Et l'altruisme, c'est de toute façon, c'est d'aller vers les autres. Je pense qu'une fois qu'on a goûté le côté délicieux de l'altruisme, moi, je dis le côté délicieux, c'est un côté, délicieux de l'altruisme. C'est comme manger quelque chose d'extraordinaire, on a envie de le remanger par après. Et je pense que l'altruisme, il est rarement temporaire. Il va être peut-être constant. Alors, on peut être altruiste dans tous ces types d'engagements et tous les petits engagements que l'on a, que ce soit dans son travail, que ce soit dans ces engagements qu'on a eus et que l'on a encore dans différents lieux, mais on peut être altruiste partout. On peut être altruiste aussi dans les transports en commun et dans la rue. Mais c'est, moi je dis, il y a quelque chose, dès qu'on a découvert ce côté de porter ses pas vers les autres, c'est quelque chose de délicieux. Désolé, c'est un mot qui me vient comme ça à l'esprit. Et c'est bon de continuer. Et je pense aussi, alors qu'évidemment, il y a un retour extraordinaire pour soi-même. On en parlera, mais évidemment, entre l'envie et le passage à l'action, à l'activité, il y a un élément très important dont on va discuter juste après. Mais je vous propose de regarder d'abord quelques témoignages de jeunes que nous avons recueillis le week-end dernier. Parce que c'est chouette, tu sais bien t'amuser dans les bois avec tes copains et ça fait un sport de course. C'est une chouette famille, c'est déjà cool et on court dans les bois et on a plein de copains et voilà, c'est chouette. On a beaucoup d'amis et on reste toute la journée dans la nature. Alors, je pense que le scoutisme, c'est important dans notre société actuelle. Ça nous rappelle les valeurs du partage, de la fraternité. Quand on se retrouve, on déconnecte de tout le monde virtuel. Pour se retrouver et prendre du bon temps, c'est vraiment important pour moi d'être ici et d'être scout aujourd'hui. Plus que jamais, c'est super important de s'encourager et d'être tous ensemble pour vivre des bons moments aussi. Et le scoutisme amène ça, amène l'aspect un petit peu de groupe et je trouve que c'est très important.
Alors, après avoir entendu ces témoignages, Marie-Laure, il y a quand même un aspect qui me semble important, c'est qu'on peut avoir des envies, une vocation, mais après, on l'a vu avec vous, il y a un professionnalisme qui doit s'installer, ou sinon on ne réussit pas à gérer une ASBL pendant 40 ans, à faire fonctionner quasiment une entreprise, en fait, hein, ou une vie de prêtre. Alors, comment est-ce qu'on peut justement passer à ce professionnalisme de l'engagement ? Alors, bon, je ne peux pas refaire l'histoire, mais, et puis ce n'est que ma petite histoire, hein, donc, mais je pense que je n'aurais jamais osé fonder Diversicom et je n'aurais jamais pu lui donner l'envol si je n'avais pas eu ma vie professionnelle d'avant et ma vie dans le domaine aussi bénévole du handicap avant. De ces 15 ans à la Commission européenne, j'ai acquis les réflexes professionnels et puis des compétences spécifiques en communication, en mécanique de financement, une zone de confort pour interagir avec les acteurs politiques et associatifs. Et puis, de ces 25 ans de bénévolat avec le handicap, j'ai vraiment appréhendé ces réalités et leurs besoins. Donc, c'est fort de ces acquis-là que Diversicom a pu démarrer. Maintenant, il y avait également tous les trous à combler, tous mes manquements, puisque je n'avais jamais exercé que un ou deux métiers, et que pour créer une aventure comme celle-là, il faut rassembler beaucoup plus de compétences. Et donc, à ce moment-là, c'est important, je pense, dans une création d'un projet, d'avoir l'humilité de repérer les manquements, et puis de faire appel, et de constituer petit à petit un conseil d'administration, et puis une équipe qui va venir compléter. Et donc, voilà, sur image, vous voyez là de dos Arno van Schievenstein, qui est un ancien chef de troupe que vous avez entendu l'année dernière pour la conférence sur le dépassement de soi. Eh bien, Arno, j'ai fait appel à lui au démarrage de l'aventure pour lui demander de faire partie de mon conseil d'administration. Et c'est Arno qui nous force toujours à voir plus loin, à nous dépasser, à nous surpasser. Donc, il est un élément important. Alors, une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son business, ne fonctionne pas, n'est pas pérenne si elle ne met pas du professionnalisme. Et l'associatif n'est pas épargné par cette nécessité. Et je dirais même qu'aujourd'hui émerge un nouveau modèle d'entreprise qui est l'entrepreneuriat social, qui exige même une double casquette. La casquette sociale, soucieuse des besoins de ses bénéficiaires, qui sont en l'occurrence chez nous les chercheurs d'emploi en situation de handicap qui frappent à notre porte. Et puis, il y a la casquette entrepreneuriale, soucieuse d'offrir un service de qualité à ses usagers, en l'occurrence chez nous, les entreprises, les 160 entreprises qui se portent partenaires de notre projet, et également soucieuse de générer un revenu d'activité. Et Diversicom fonctionne comme une entreprise classique qui doit développer sa vision, définir ses objectifs, qui est soumise à des obligations de reporting, qui mesure son impact aussi. On a mis à l'emploi plus de 150 personnes. On a fait épargner 3 millions d'euros à l'État quand nous-mêmes n'en avons coûté qu'un million. Donc tout ça se mesure. Donc je pense qu'il est nécessaire d'avoir en même temps l'humilité de se dire on ne pourra pas tout et combinons avec des gens qui vont avoir les compétences qu'on n'a pas. Et ensuite l'audace de dépasser ses limites, de sortir de sa zone de confort. Et toujours, en effet, on reprend la devise scout, d'avoir à cœur de faire de son mieux, vraiment. Oui, Géry, c'est un peu la même chose pour toi. C'est-à-dire que fonder ou co-fonder, comme tu as fait Asmae, il faut le faire avec un entourage solide, en plus de sa conviction dont on a parlé tantôt, et des moyens. Moi, j'ai toujours dit que je réclamais mon incompétence. Ce n'est pas trop d'humilité, ça. Je réclame mon incompétence parce que avoir cofondé, puis repris à un moment donné l'association, je me suis retrouvé seul à le reprendre. Alors seul, ça a été pendant 6 mois et puis très rapidement, il y a eu d'autres personnes qui sont venues m'aider. Et donc, c'est là où j'ai compris qu'il faut aussi pouvoir de temps en temps réclamer son incompétence pour faire appel à d'autres personnes qui viennent compléter ses propres compétences. Et on ne peut pas être compétent en tout. Et c'est une très grande richesse de reconnaître qu'on peut être aussi incompétent dans pas mal de choses. Et donc c'est comme ça que Asmae s'est construit, c'est en se basant sur les compétences de tous les jeunes qui rentraient petit à petit dans Asmae. Et donc c'est quand même Asmae, c'est
est là pour renforcer la capacité des jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et donc, je pense que le fait d'être, au départ j'étais coordinateur, et que je me disais qu'il fallait plus de compétences, et des dizaines de gens, de jeunes sont arrivés avec leurs propres compétences, et on construit l'association, et on l'a construit tous ensemble. Et ça c'est, et tout a été fait, je dirais, l'ensemble d'ASMAE a été fait sans faire appel à des compétences rémunérées, extérieures, que ce soit le site internet, que ce soit tout ça, ce sont des jeunes qui l'ont fait, et on continue à travailler avec ces questions-là. L'ensemble de l'association se construit grâce aux jeunes. Emmanuel, la grande différence entre toi et les croyants que tu vois, c'est que toi, tu dois être un professionnel de la croyance, quelque part. Alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que ça dépasse de loin la foi. Oui, tout à fait. C'est vrai, quand on rentre au séminaire, on ne rentre pas parce qu'on est un super catho, ou bien je n'étais pas mieux que les autres. Enfin, je veux dire, j'étais... Et donc, c'est vrai qu'il y a, bon, il y a 7 ans de formation. Voilà, pas seulement au niveau intellectuel, mais simplement au niveau humain, au niveau spirituel. Au niveau pastoral, et c'est aussi des années de discernement, voir un petit peu, il y a cette générosité de vouloir se donner, mais est-ce que c'est vraiment en étant prêtre, en paroisse, est-ce que c'est vraiment dans une vie donnée comme prêtre, parce qu'il y a plein de manières de se donner, évidemment. Et donc, voilà, toutes ces années sont aussi l'occasion. Alors, je croyais, moi, un peu naïvement, peut-être que quand je sortirais du séminaire, ben, je serais prêt, hein, à être prêt. Et en fait, après 7 ans, ça paraît long, 7 ans, mais j'avais presque l'impression que j'étais rentré la veille. Et je me suis dit, bah, au fait, est-ce qu'on n'est jamais prêt, hein? Donc, c'est vrai qu'alors, effectivement, on a des aptitudes, on a des acquis, on a des... mais c'est vrai que, voilà, je crois que c'est quelque chose qui continue, hein, cette formation permanente. Moi, mes études d'ingénieur aussi font ce que je suis aujourd'hui comme prêtre. Ça façonne aussi ce que je suis aujourd'hui. Parce que parfois, les gens disent, mais tes études d'ingénieur n'ont servi à rien. Mais si, ce que je suis aujourd'hui, je le dois aussi grâce à cela. Et encore aujourd'hui, bah, je continue voilà, à me former. J'ai repris un master complémentaire... je dirais il y a maintenant 5 ans à Rome sur le mariage et la famille, donc voilà, pour vraiment accompagner aussi pastoralement ces questions du mariage et de la famille. On travaille en équipe aussi avec plusieurs confrères, avec d'autres chrétiens engagés dans la paroisse. Je crois que ce qui est aussi important, j'ai un accompagnateur, un accompagnement, alors au niveau spirituel, mais je crois qu'au niveau pastoral, au niveau personnel, c'est très important aussi. Aujourd'hui on parlerait de coach, hein, mais je veux dire voilà, au niveau de l'église, on parle d'accompagnement. Donc voilà, je crois que c'est autant de choses qui me permettent de continuer à me former pour, je dirais, offrir ce que j'ai de meilleur pour ma mission, et avoir en tout cas les éléments et les, je dirais, pour répondre avec sérieux à cette mission de prêtre. Après, heureusement qu'on peut compter sur les autres, hein, je veux dire, on compte que sur soi-même, et puis il y a le Seigneur aussi, donc ça va, ouf. Alors, on va parler de l'engagement quotidien, parce que tout ça, ça demande de l'engagement quotidien, mais avant ça, regardons ce que nos jeunes pensent de la promesse. Ben parce que tout le monde l'a fait et que c'est quand même chouette de la faire et c'est mieux de t'intégrer dans la meute. Parce que c'est important, enfin tout le monde l'a fait et enfin après tu deviens senior et après tu aides les plus petits et tout et voilà. Parce que dans la meute, tout le monde doit faire à un moment sa promesse. T'es tout de suite très vite bien intégré. Pour confirmer mon engagement dans le scoutisme. Alors la promesse, c'est un grand engagement dans la vie d'un scout. Ça lui rappelle toutes les valeurs qu'il a apprises au long de ses longues années de scoutisme. Et ça lui permet de se sentir scout et de rappeler qui il est. Voilà, et on revient ici en studio. Jerry, enfin tous les trois, mais je vais peut-être commencer par toi. Quand on fait pendant 40 ans ASMAE avec des difficultés, des démotivations qui peuvent arriver, comment est-ce qu'on arrive à rallumer la flamme? Comment est-ce qu'on arrive à se dire, allez, je dois tenir, parce que maintenant c'est un moment difficile, mais allez, c'est un engagement au quotidien. Et un engagement au quotidien, tout le monde le sait, ce n'est pas toujours facile. Non, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais...
Mais je crois que chaque fois qu'il y a un problème, si on doit s'arrêter à ce problème-là, on doit tout arrêter. C'est pas possible. Or, comme avait dit Marie-Laure, même au moment de la création de l'association, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut déjà avoir peur de cette création et s'arrêter. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des problèmes. Au contraire, ça nous grandit. On passe au-dessus, c'est à chaque fois un challenge, c'est un défi sur lequel il faut passer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, seul, passer seul, non, je ne suis jamais passé outre les problèmes, seul. J'ai fait appel à l'équipe. Et l'équipe, elle est là derrière, c'est-à-dire tout. Alors, ça peut être aussi les parents, ça peut être des amis, ça peut être... mais c'est aussi tous les jeunes de l'association. Et on partage le problème. Si on devait garder sans arrêt les problèmes, je crois que je ne tiendrais certainement pas 40 ans. Donc, non, il faut faire appel à l'équipe pour résoudre les problèmes. On en revient à l'équipe. Est-ce que toi, tu as aussi des conseils voilà, quand c'est difficile, ben, il faut faire tel ou tel. Est-ce que tu as des trucs à partager? Alors, pour parler de l'équipe, moi, j'ai une chance magnifique qui me donne de l'énergie tous les jours. C'est d'avoir à mes côtés 6 personnes merveilleuses. On fait une petite patrouille, en fait. Et en fait, je pense que les problèmes, dès lors qu'ils ne sont pas gardés pour soi, mais qu'ils sont partagés, en premier avec l'équipe. Déjà, ça me nuise, de toute façon. Et puis, peu de problèmes n'ont pas leur solution, finalement. Je pense que dès lors qu'on s'en remet, que le projet est juste, qu'il est bon, les solutions émergent. Alors, elles émergent soit de soi-même, par des choix très, très, parfois difficiles à poser, et elles émergent parfois de l'extérieur, sans qu'on ne les attende. Et je dois dire que moi, j'ai la conviction depuis le début que ce projet, il est porté non pas uniquement par sa fondatrice, ni pas uniquement par l'équipe composée, mais il est porté par des volontés qui nous dépassent. Alors, on peut les appeler irrationnelles. Certainement, un de ses prénoms à cette volonté, c'est Dieu. Et puis, il y a un tas de complices ici-bas qui nous aident tous les jours. Et donc, je crois qu'avant tout, il faut pouvoir faire confiance et en soi et en les autres. En tout cas, on sait qu'on travaille pour une cause qui est de toute façon souhaitée par tous. Emmanuel, est-ce que tu te reconnais dans ces témoignages ? Ou est-ce que tu dis, moi, c'est un peu différent, parce que je suis peut-être un peu plus seul dans mon engagement ? Non, tout à fait. Je crois qu'effectivement, l'équipe s'en remettre aussi à quelque chose, de pouvoir compter. Moi, ce qui me donne aussi beaucoup de joie au quotidien, c'est une petite devinette, là, quelle est la différence entre un scout et un boxeur, hein, en fait, il n'y a pas de différence entre un scout et un boxeur, parce que tous les deux savent qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. D'un côté, c'est les coups, de l'autre côté, c'est le don de soi et l'engagement. Et je crois aussi, c'est vraiment ça qui me donne de la joie de continuer. Voilà, à travers toutes les activités. Là, pour l'instant, je passe dans les écoles, il y a le scoutisme, il y a toute une série de choses qui se font avec petits et grands, avec personnes âgées, enfants, familles. Et voilà, de voir aussi tout ce qui porte du fruit, je crois que c'est ça qui donne l'élan et c'est ça qui aide à continuer. On parlait tout à l'heure du don de soi, enfin de l'altérité, pour savoir que l'altruisme est vraiment vrai et réel. Oui. Et je crois que voilà, passer au-delà des difficultés parfois ou des coups durs, c'est aussi ça qui montre qu'il y a un véritable altruisme aussi. Enfin, je sais, quand j'étais chef de troupe, parfois on revient d'une réunion et on a envie juste de tout balancer. La réunion était catastrophique, les scouts ont été vraiment pénibles, les chefs, on ne sait pas entendre. Enfin voilà, il y a beaucoup. Et le fait de continuer. Et puis, la fois d'après, par contre, on reçoit énormément, il y a énormément de joie et on sait pourquoi on le fait et pourquoi on se donne, parce que cette joie est là. Et donc, voilà, je crois que c'est dans cette persévérance aussi que ça s'inscrit. Et voilà, avec ces balises aussi qui nous aident à persévérer et à avancer dans cette joie du don. On espère qu'il y a pas mal de louveteaux, de scouts, de guides qui nous regardent, évidemment. Alors, pour eux, ça peut se traduire comment, le don de soi, dans le scoutisme en tant que tel ? Alors, comme le disait Géry tout à l'heure, le don de soi, il est partout, il est tout le temps. Il n'est pas l'apanage des adultes. Ça se joue de 7 à 77 ans, et même parfois plus petit et plus vieux. Et peut-être que dans une vie de louveteau ou de lutin,
ça peut se marquer par des gestes très visibles et symboliques, comme ce moment de la promesse, hein, où on se donne à Dieu, on se donne à la troupe. Comme ce moment aussi, je crois, assez important dans l'année, qui est la journée sociale, ou le week-end social, où on va s'ouvrir aux plus petits que soi, aux plus pauvres, aux plus malades. Et puis après, surtout, je pense que là où il est le plus puissant, le don de soi, c'est quand il est discret. C'est dans les petites choses, c'est dans une parole encourageante plutôt qu'une moquerie, c'est dans un repas équitablement partagé plutôt que dans une ruée vers la pitance, c'est dans une attribution juste des tâches, c'est dans un respect de la dignité du petit scout qui n'est pas encore totémisé et qu'on va valoriser, qu'on va encourager, qu'on va intégrer dès son premier jour dans la troupe, même s'il n'a pas encore son totem. Ce sont tous ces gestes-là qui peuvent faire la différence, et tout ce qui va aller dans le sens de la valorisation du jeune peut avoir un impact tellement immense pour la suite, parce que c'est ce qu'il aura lui aussi envie de donner par la suite. Et donc c'est ce sur quoi il faut s'attacher, et ça commence dès le plus jeune âge à 7 ans. Je crois que le système des patrouilles, justement, des sixaines, est déjà aussi une belle école de vie aussi, si on se donne à fond dans sa vie de patrouille, de sixaine, enfin, le don de soi, il est déjà dans le quotidien, au fond, de jouer à fond le jeu du scoutisme et de se donner à fond dans les constructions, dans tel jeu, dans le service, dans le fait d'aller ramasser du bois ensemble, d'aller à deux, trois, ça stimule et pas en envoyer un. On parle parfois de corvée, mais c'est des services qu'on rend aux autres, en fait, et pas des corvées ou des tâches négatives. Et donc c'est vrai que je trouve qu'à travers ça, la pédagogie scout est vraiment un bel outil pour apprendre au quotidien, dans les petites choses. Et c'est ces petites choses du quotidien qui aideront à un moment donné à prendre des plus grands engagements. Et faire de son mieux déjà, à toute étape de sa vie de scout, ouais. Donner tout ce qu'on peut, ouais. Pour les autres, pour soi-même, pour l'activité. Et être prêt à faire de son mieux, moi je pense même pour les chefs, c'est se former. Enfin, on insiste souvent sur la formation des chefs, mais je crois que c'est ça aussi. Faire de son mieux, ce n'est pas juste faire ce que je peux, hein, puisque je ne peux pas. Non, mais c'est aussi se dire, mais je vais me former ou je vais faire un BEPS pour pouvoir apporter les premiers secours. Je vais m'informer dans telle ou telle chose pour pouvoir offrir le meilleur aussi de ce que j'ai dans mon rôle, dans ma responsabilité de chef ou de chef de patrouille. Tu parlais, Marie-Laure, tantôt de totémisation. On sait que là, c'est parfois une période un peu difficile pour un jeune chez les scouts. Il y a parfois un manque de respect. C'est peut-être le moment de lancer un message au chef, par exemple. Non, mais je crois qu'en effet, c'est un sujet qui est délicat, qui est délicat depuis toujours, parce qu'il pose question. On se dit, tiens, ce rite du passage, il est très beau, mais il nécessite d'être bien encadré. Puisque l'objectif toujours c'est d'inviter son scout à faire de son mieux, à se dépasser, mais ce n'est en aucun cas d'abîmer sa dignité. Et parfois la marge, l'arbitrage là, il est peut-être pour un jeune à qui on confie de passer une épreuve, il est difficile à comprendre. Donc je crois que ça mérite une vraie réflexion régulière, une discussion. Et puis si on sent à un moment donné qu'on s'écarte des valeurs premières du scoutisme qui sont ce respect et la dignité. Et le respect, c'est le respect aussi des manquements de chacun, des défauts, des difficultés. Hein. Donc il y a une approche inclusive ici à laquelle moi je suis très très attachée évidemment. Mais je pense que c'est important, surtout pour des structures très anciennes comme la vôtre, qui ont 100 ans avec un nombre important de membres. Hein, c'est comme dans les entreprises. Plus elles sont grandes, plus elles sont vieilles, plus parfois elles ont de mal à se remettre en question, à se dire, tiens, au fond, est-ce que là, on est toujours dans le juste par rapport à une pratique qui est en place parce qu'elle est là depuis toujours. Et parce qu'on l'a soi-même subi. Et parce qu'on l'a soi-même reçu, et on se dit, c'est l'école de la vie. Mais c'est bon de pouvoir de temps en temps se reposer la question. Est-ce que c'est la bonne école de la vie? Est-ce qu'elle est toujours à jour? Est-ce qu'aujourd'hui, on veut une société qui hiérarchise très fort? Ou au contraire, on veut une société qui co-responsabilise? C'est quoi le leadership aujourd'hui? Est-ce que c'est le même qu'il y a 100 ans? Peut-être pas. Donc peut-être que ça doit se refléter aussi dans la manière d'organiser et d'approcher ces rites de passage, cette intégration des plus jeunes. Et voilà, en effet, je pense que c'est un sujet qui mérite une réflexion permanente. Emmanuel, pour accompagner un jeune dans ces difficultés-là parfois ou dans la promesse, comment ça se passe concrètement entre les chefs et les jeunes ?
T'as fait donc en tout cas pour la promesse, il y a un peu cette préparation. Après, bon, ça dépend un peu chaque troupe parfois, chaque meute a un peu ses traditions pour faire grandir. Je connais des troupes où voilà, il y a une sorte de parrainage, donc où les aînés, ben, je dirais, parrainent un plus jeune. Donc ça dit, ben, l'encourage, le stimule aussi, le valorise dans ce choix, l'encourage. Partage aussi ben, un peu ben, parfois les manquements, que c'est compliqué à tenir sa promesse. Hein, on ne promet pas d'être parfait, on promet de faire de son mieux hein, pour observer la loi scout, pour rendre service, pour vivre ben, son scoutisme. Et je crois que d'un côté, enfin moi je me dis comme chef aussi, c'est un peu cette exemplarité hein, pour rejoindre un petit peu ce que disait Marie-Laure. C'est vrai que ben, voilà, le but n'est pas de brimer, de diminuer, de se faire valoir nous-mêmes, mais c'est être exemplaire pour faire grandir l'autre, pour qu'il puisse ben, s'épanouir. Et je crois que la promesse, en tout cas, nous offre une belle opportunité, je crois, de vraiment mettre le jeune au centre et le nouveau au centre. Je veux dire, un nouveau, ça vaut de l'or. Je veux dire, c'est l'avenir de la troupe, du mouvement. C'est le renouveau de la patrouille. C'est le futur CP. Et donc, c'est de pouvoir aussi aller vraiment dans ce sens-là. Ouais. Très bien, on va parler du fait de savoir est-ce que le don de soi est un sacrifice ou pas. Mais juste avant, on va regarder une dernière vidéo de témoignage des chefs sur le sacrifice. Alors, d'un point de vue du groupe, je trouve ça super important pour les enfants. Parce qu'on sent qu'ils ont vraiment besoin un petit peu de se dépenser, de jouer, etc. Et en tant que chef, on sert d'outils un petit peu pour les cadrer et que tout se passe super bien. Et plus personnellement, je trouve qu'être chef, ça m'a apporté tellement de choses comme gérer mon temps, savoir donner de soi-même aussi, être un peu plus autoritaire, mais tout en laissant quand même passer les choses pour que ce soit bien, bien chouette. Alors, être chef chez les scouts, c'est avant tout pour moi transmettre des valeurs. Comme le respect, la solidarité, la fraternité. C'est aussi un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une communauté. C'est former des plus jeunes, c'est les faire sourire le plus possible et les rendre heureux. Voilà. Alors je pense que ça a toujours autant d'importance, même 110 ans après la création du scoutisme dans le monde. Parce que ce sont des valeurs qui sont intemporelles et aussi une méthode. Bon, bien sûr, ça évolue un peu avec les réalités d'aujourd'hui, mais c'est une école de vie qu'on peut retrouver. On peut un peu se déconnecter de la réalité de tous les jours qui est parfois un peu stressante et passer du temps dans la nature avec ses amis. Donc, pour moi, je pense qu'on commence d'abord pour jouer avec des amis dans la nature et en fait, on se rend compte après quelques années que c'est bien plus que ça nous apprend l'entraide et plein de valeurs qu'on gardera toute sa vie, qui feront de nous de meilleurs adultes. Alors, on passe au don de soi, est-ce un sacrifice? Alors, Géry, on l'a dit, quand on passe 40 ans de sa vie dans une ASBL, on peut imaginer que c'est un sacrifice. Déjà professionnel, financier parfois, social, familial. Alors, est-ce que ce n'est pas un sacrifice trop grand de faire don de soi? Peut-être. La question, c'est que pour moi, j'ai oublié que je continuais dans cette association et j'ai oublié ce que ça voulait dire, se sacrifier de quelque chose, etc. Ça a passé tellement vite. Et je trouve que ça a passé trop vite. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de me marier, j'ai oublié de... Alors, oui, il y a des sacrifices, bien sûr, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pour moi, évidemment, peut-être, faudra peut-être que je passe chez un psychiatre pour comprendre qui je suis, mais c'est vrai, on parlait de la folie. C'est vrai que c'est une folie d'être passé 40 ans, mais... un jour, un jeune qui m'a dit « mais tu ne penses pas à ton plan de carrière ». Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit « mais c'est quoi un plan de carrière ?» Alors vraiment, mais moi, mon plan de carrière, il est là, hein, il est derrière moi d'ailleurs. Mais je n'ai pas besoin d'un plan de carrière. Et je pense que si c'était à refaire, je refais exactement la même chose. Tellement j'ai trouvé ça passionnant, c'était… et même si c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, des moments, voilà, on en a parlé, mais c'est passionnant
parce qu'on est dans la créativité, parce qu'on voit aussi les uns et les autres et tous ces jeunes qui rentrent assez jeunes, et puis on les accompagne. Je suis peut-être un peu comme un passeur, je l'accompagne, et puis il sort de l'association, et alors il se fait que quand je les rencontre 10 ou 15 ans après, parfois c'est comme ça, tout d'un coup, ils me disent même que leur passage dans Asmae a été un moment extraordinaire. Et donc, à force de rencontrer des jeunes par après, enfin, des jeunes qui sont devenus un peu plus âgés, je me retrouve comme étant vraiment en train de me dire ça valait vraiment la peine. Et c'est vrai que c'est un sacrifice à tous les niveaux, etc. Mais voilà. Ça passe très vite. Justement, ça passe très vite parce que c'est bientôt la fin de ce débat. Donc, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions sur la page Facebook d'Elone ou sur le compte YouTube et on y répondra dans quelques minutes. Alors, Marie-Laure, toi aussi, c'est aussi un sacrifice parce que sur le plan familial et autres, il faut pouvoir gérer tout ça. Tu avais une belle carrière, comme tu le disais, à la Commission européenne. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que c'est encore un sacrifice? Est-ce que tu admets que c'est un sacrifice d'abord? Alors déjà, qu'entend-on par sacrifice? Alors je me suis un peu prêtée à l'exercice en tant que romaniste. Si on prend le sacrifice au sens étymologique du terme, sacer facere, c'est rendre sacré. Et donc là, ma réponse est oui, parce que Diversicum aujourd'hui a une place sacrée dans ma vie. Si on prend le sacrifice au sens biblique du terme, c'est le don fait à Dieu. Et alors, ma réponse est encore oui, parce que dès lors que, pour ma part, derrière le visage de chaque personne en situation de handicap qu'on a le privilège d'accompagner, et de chaque responsable ressources humaines qui fait le pas de le recruter, je vois le visage du Christ, tantôt douloureux, tantôt joyeux, tantôt glorieux. Et si on prend le sens plus contemporain du mot sacrifice, qui est en effet alors le renoncement volontaire à quelque chose, alors encore oui, parce qu'en effet, mon salaire a diminué de moitié, ma charge mentale et l'investissement personnel a doublé, et les heures sup par semaine sont plus. Mais compte plus. Donc, en effet, si on prend ces chiffres-là, on peut considérer que c'est aussi un sacrifice, mais il y a évidemment un mais, tu l'attendais. Mmh. Il y a un mais parce que, comme le disait Géry, le retour le plus énorme, c'est les 300 candidats qui nous disent merci parce qu'on a été un plus dans leur bien-être, c'est la sérénité de leur entourage parce qu'ils voient leur jeune autiste, sourd, aveugle, à mobilité réduite, se lancer dans une vie professionnelle à laquelle il n'osait même pas penser. Ce sont les mentalités dans les entreprises qui bougent. C'est une société tout entière qui se fait plus inclusive. Et ça, c'est une équipe qui est heureuse de travailler, qui trouve son sens tous les matins. Quel privilège de trouver du sens dans son travail tous les matins. Et je pense que tous les métiers ne l'autorisent pas de trouver du sens tous les matins. Et ça vaut tous les salaires du monde. C'est pas faux. Emmanuel, toi aussi, on sait par essence que devenir prêtre, c'est un sacrifice personnel, familial. Alors comment est-ce que toi, tu interprètes le mot sacrifice? Tout à fait, j'aime beaucoup les différentes interprétations de Marie-Laure dans lesquelles je me reconnais beaucoup. Et c'est vrai que parfois, par rapport à la question du prêtre, le premier sacrifice qui vient, ou la première question, c'est souvent... c'est le célibat, c'est le fait de ne pas fonder de famille, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment souvent la première question que les jeunes posent. Mais est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on tient? Alors, on reste des êtres sociables. Moi, j'ai une famille, des parents, des frères et sœurs, des neveux et nièces. Donc, je veux dire, ce n'est pas non plus une vie de solitaire non plus, le célibat. Et Géry l'a aussi dit, voilà, en se donnant. On dit Père Emmanuel ou Père Castor chez Scout, parce que mon totem, c'est Castor. Donc voilà, je raconte des histoires, souvent des histoires de l'Évangile, mais Père Castor. Je trouve que c'est... Il y a vraiment une paternité dans le fait d'être prêtre, une paternité, une fécondité. Alors, elle n'est pas biologique, je n'ai pas une famille, je n'ai pas des enfants à moi. Mais à travers ça, c'est quoi être père? C'est quoi être fécond? C'est amener à la vie, c'est donner la vie, c'est la réveiller, la révéler, au fond. Et tout ça, je vois que ça peut combler le cœur d'un homme, en fait. Et donc, oui, effectivement, j'ai renoncé à certaines choses, mais c'est vraiment pour
Je dirais, voilà, ce à quoi j'ai renoncé, comme je l'ai choisi, au fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me comble entièrement aussi. Comme quand, je dirais, deux personnes se marient, on est capable de choisir une seule personne par rapport aux milliards d'autres personnes, parce que cette personne-là peut me combler aussi. J'aime beaucoup, il y a l'image où je fais du ski de la montagne, j'aime beaucoup la montagne, hein, cette exigence aussi ben, voilà, de la montagne où on, voilà, il y a effectivement certes une exigence, mais quand on est au sommet, quand on, enfin, voilà, on est, il y a un bonheur qui se dégage, il y a une paix intérieure. Et donc voilà, un peu la pastorale, je dirais, du trek ou de la montagne, c'est quelque chose qui me parle très fort aussi. Dans, voilà, et ça correspond à cette vocation de prêtre aussi. Oui, quand on a préparé ce rendez-vous, plusieurs d'entre vous m'avaient dit que c'est en donnant qu'on se trouve. Et en fait, tout ce qu'on reçoit, ce n'est pas forcément quelque chose qui est un objectif en soi, recevoir, mais c'est une conséquence de tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour ces témoignages, mais vous restez avec moi parce qu'on va prendre les questions de ceux qui nous regardent. Vous êtes plusieurs centaines à nous regarder, donc merci pour ça. Alors, Alice, justement, vous remercie pour ces témoignages et elle vous demande quel est le sens du scoutisme encore en 2021. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Le sens du scoutisme. En tout cas, moi, j'allais dire, par rapport à notre débat et au sujet, c'est vraiment un tremplin dans cet engagement. Je crois que c'est une école de vie qui nous apprend à ne pas simplement se regarder soi-même ou à construire pour soi ou à accumuler pour soi. Mais voilà, dans la troupe, dans la meute, chacun a son service, même dans le staff aussi, chacun a quelque chose à apporter pour construire quelque chose. Donc voilà, s'engager pour construire ensemble, voilà, construire un monde meilleur, construire un monde de paix, construire... voilà, se construire soi-même aussi par cette interaction les uns les autres. Donc je crois que c'est vraiment une belle école du don, en fait. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel dans notre monde aujourd'hui, où on tend à valoriser l'expérience personnelle, individuelle, gérer la réussite personnelle. Là, c'est la réussite, c'est de la patrouille, de la troupe, de la meute. On a une question de Tadé sur Facebook qui voudrait connaître à chacun d'entre vous votre plus grand souvenir scout. Quand vous pensez au scoutisme, à vos années scout, quel est le moment qui vous revient en mémoire? Je ne sais pas qui veut commencer. Marie-Laure. Oui, j'aurais juste envie d'encore de compléter l'autre question. C'est oui. Que je pense que pour aujourd'hui, pour les jeunes, le scoutisme représente aussi une déconnexion de ce monde tellement connecté et un retour à l'émerveillement de la nature aussi, hein, de se retrouver là, juste face à elle, avec les autres. Et alors, pour moi, les plus beaux souvenirs, en tant que... certainement, je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est ce passage chez les guides d'Horizon, à cette expérience avec les enfants autistes. Mais sinon, en tant que chef... les moments que j'ai préférés, c'était les moments de préparation aux promesses avec mes guides. Et plutôt alors, en tant que guide, moi j'ai un souvenir ému de ma totémisation parce que ça a en effet été une très belle expérience, parce qu'elle a été bien menée. Et donc, parce que j'avais l'impression pour la première fois de devoir vraiment seule affronter certaines épreuves. Mais qui était faite justement dans beaucoup de respect. Jerry, ton meilleur souvenir? Moi, j'ai énormément de souvenirs. Et le souvenir... Alors, c'est vrai que c'était une période d'effervescence, de création, et donc il y avait eu le premier grand camp Louveteau, Condro 82. Il y a eu les premiers 6 heures vélo... Louveteau, etc. Mais je pense que ça me ramène à ma propre promesse. Étant donné que je n'avais jamais été ni Louveteau ni scout avant, être assistant et n'avoir jamais fait de promesse, j'ai fait ma promesse Louveteau en même temps que d'autres Louveteau. Et là, j'ai appris... je crois que c'est de la question de l'humilité. C'est pas la question de me dire « je me retrouve avec des plus petits ». Mais j'ai fait la même promesse que des Louveteau et faire de son mieux. C'est un des moments clés. C'est un tout beau souvenir. Emmanuel, ton meilleur moment? Alors moi, j'aime beaucoup dans les camps et principalement, j'aime beaucoup le woodcraft et construction. Alors, c'est peut-être l'ingénieur qui parle. Et encore, parfois, comme aumônier, j'aime encore bien
faire l'un ou l'autre brelage ou mettre la main à la pâte. Et je me souviens une année, c'était quand j'étais CP, on avait fait une descente de rivière en radeau. Alors ça, c'était vraiment génial parce qu'on avait conçu des plans, on avait fait des essais sur un étang, des choses comme ça. Et puis on avait fait cette descente de radeau, c'était dans le Jura. Et je me souviens vraiment d'un hike comme ça, assez incroyable avec ce radeau. Et puis on le laissait, on allait dormir un peu à l'extérieur et pendant 3 jours comme ça, c'était vraiment fabuleux. J'ai une question qui t'est adressée directement, Emmanuel. Un internaute qui ne donne pas son nom, en tout cas je ne l'ai pas ici sur mon écran, voudrait avoir ta réaction ou ton avis sur ce qui a été dit et ce qui se fait en fait en termes de totémisation. Quel est ton point de vue? Quel est ce que toi tu défends auprès de l'unité? Alors ça, moi, le souvenir que j'ai quand j'étais chef de troupe, la totémisation c'était un grand jeu. Donc, et la règle du jeu, c'est la loi scout. Et donc ça, je trouvais que c'était déjà un cadre, moi, qui me permettait, et je répétais toujours au scout, la totémisation, c'est un grand jeu, comme on fait un rugby, comme on fait des Olympiades. Et cette règle du jeu, la loi scout, et souvent, ce que j'avais un peu comme critère, c'est tout ce qu'on demande à faire comme épreuve de totémisation. Il y a chaque fois quelqu'un qui montre l'exemple et qui le fait avant pour montrer comment ça se passe. Et je trouve que ça permet d'avoir des repères et des balises pour éviter d'être dans l'excès un peu du bizutage ou de se moquer, vu qu'il y a quelqu'un qui est déjà totémisé qui montre avant comment c'est. Donc après, souvent celui qui le montre, il est un peu plus âgé que celui qui est totémisé. Donc celui qui est totémisé devra peut-être un petit peu plus mordre sur sa chic pour le faire. Mais ça évite, entre guillemets, je ne sais pas, de traverser un champ d'ortie bêtement alors que ça n'apporte rien du tout. Donc voilà, en tout cas. Mais il faut que ça apporte quelque chose, en fait. Voilà, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait du sens et que le scout soit fier de recevoir son totem. C'est ça, qu'il en bave un petit peu, mais qu'il soit fier, en fait, qu'il en bave positivement quelque part, qu'il soit content d'avoir été au-delà peut-être de ses limites, mais de manière intelligente en fait. Très bien, on va terminer sur cette leçon. Espérons que tous les chefs vous auront entendu. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages personnels, sincères, touchants. Merci d'avoir pris le temps de préparer ce débat. Et je remercie évidemment aussi les responsables de toutes les conférences et de toutes les activités pour la 100e Laune. Et j'appelle justement ici Arnold Derings à nous rejoindre pour clôturer cette conférence, ce moment, comme il nous l'a promis en début de soirée. Bonne soirée à tous. Un tout grand merci en tout cas. Emmanuel, Jerry, Marie-Laure et Dorian pour cette conférence inspirante. Je crois que si on peut en retenir plusieurs mots, ce sont les valeurs du scoutisme, le respect, le partage, l'ouverture, l'audace. Chacun d'entre vous avait été audacieux à un moment donné dans votre vie avec des sources au sein du scoutisme. Je crois que pour tous ceux qui ont la chance de vivre l'expérience du scoutisme, profitez-en parce que ces années sont trop courtes. Et le message à retenir, je crois que c'est qu'on reste scout toute sa vie. Donc un tout grand merci aux intervenants. Pour vous remercier, on a quelques petits cadeaux tendance, on va dire, du moment que Axis, Gauvin et Alice viennent vous déposer. Donc c'est quoi? Ce sont des savons, ce n'est pas un message à faire passer. Ne vous inquiétez pas, mais Axis va vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, en fait, comme petit cadeau de remerciement pour cette super conférence, on voulait faire un petit clin d'œil à une nouvelle SBL justement qui s'est lancée il y a 2-3 ans maintenant. Qui est aussi tous des anciens scouts qui viennent principalement de notre unité, mais aussi d'autre part, et qui, eux, visent à promouvoir le zéro déchet maintenant, donc en faisant plein d'actions pour les jeunes, donc principalement dans les mouvements de jeunesse, donc faire des camps zéro déchet, etc. Et ils avaient eu la bonne idée de faire des savons, donc des savons pour le corps, mains, des shampoings, et aussi des savons de vaisselle aussi, zéro déchet, et voilà. Donc merci à tous pour cette conférence. C'était très, très intéressant. Merci Axis. Donc, le nom de cet organisme, c'est Objectivo. Donc, si vous êtes scout ou guide ou louveteau ou baladin et que vous cherchez à faire un camp zéro déchet, n'hésitez pas à contacter Objectivo sur Facebook, sur Instagram. Ils sont partout. Un petit mot également pour remercier la team conférence, donc la commission conférence. Il faut savoir que sans eux, rien n'était possible. C'est eux qui ont eu l'idée de cette conférence il y a bientôt 2 ans maintenant, qu'on est déplacé un an plus tard. J'ai pris une liste pour les citer. Yves Davreux, Guillaume Berbers, Valentine Potbaudier, André-Emmanuel Simonard et Michael Orban. Merci pour votre idée et cette idée qui a permis de contribuer au 100e Laune. Avant de nous quitter rapidement, un petit mot justement sur ce 100e qui a été redéployé sur une année, comme vous le savez. Le 100e n'est pas fini, on fera le 100e différemment. Comme première activité, ben voilà, vous avez vu donc cette libre loan magnifique qui a annoncé les 6 prochaines activités pour clôturer notre 100e comme il se doit. D'abord, il y avait la conférence aujourd'hui. Ensuite, récemment, on a planté l'arbre du 100e à l'abbaye de Maretsu, dont vous voyez une image à l'écran maintenant.
Donc on a planté avec le père abbé de l'abbaye de Meretsu, donc l'endroit où les Launes sont nés en 1920, un tulipier, comme j'ai dit tout à l'heure, symbole de jeunesse et de liberté. Figurez-vous que le tulipier était utilisé aussi dans la fabrication de l'orgue. Et ensuite, prochaine activité, on a un podcast du centième qui sera en fait donc tourné, qui a déjà été tourné dans les locaux de DH Radio et qui va paraître en avril. Donc un podcast sur Baden-Powell, cet illustre inconnu. Ce sera 5 podcasts de 12 minutes qui parleront de ce personnage qui a fondé le scoutisme et qui réunit aujourd'hui plus de 38 millions de personnes à travers le monde. Tout ça grâce à Bernard Drillon, qui est un passionné du personnage. L'activité d'après, ce seront les camps d'unité. On espère que les camps d'unité pourront avoir lieu. Ils sont prêts, Baladin, Louveteau et Scout. Tenez-vous prêts, reportez d'un an. On espère que si on le peut, les camps d'unité auront lieu. Grand moment dans la vie d'un Laune. Ensuite, il y a le film du centième. Donc ce film documentaire réalisé par Mimovie, qui retracera 100 ans de scoutisme à travers les valeurs que notre unité essaye de véhiculer. Et enfin, vous aurez le bouquet final du centième Laune à la basilique de Kuckelberg. Virtuellement ou physiquement, nous y serons. Il y aura notamment un Laune Show composé de différents tableaux qui racontent la vie d'un scout, des baladins jusqu'au scout. Il y aura un village Laune, il y aura la diffusion en avant-première sans doute du film sur l'histoire des Launes et bien d'autres choses encore. Tenez-vous bien, courage avec cette situation compliquée. Vous voyez que même avec le Covid, le scoutisme continue, l'espoir continue et de beaux jours sont devant nous, on en est convaincus. Je terminerai par merci à tous d'avoir été présents, vous, derrière votre écran. Merci à nos partenaires, Silver Square qui nous accueille dans cet endroit magnifique. Donc Silver Square, cet espace de coworking qui partage beaucoup des valeurs qui ont été véhiculées ce soir puisqu'ils travaillent depuis un petit temps déjà avec Marie-Laure et Diversicom en accueillant comme employés des personnes en situation de handicap. Merci à la régie qui a fait vraiment un boulot incroyable en rendant ceci le plus professionnel possible, la régie TV. Merci à vous en régie. Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas pu la voir, elle sera encore disponible sur YouTube, Facebook. Continuez à réagir. Vive le scoutisme et vive les Launes.